Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo tutoriel sur Star Citizen. Voilà, on va voir en vitesse les bases afin de piloter et se déplacer dans le jeu. Donc on est parti, on clique sur Universe, Tanton System, on choisit la région, Visit Location. On se réveille donc dans notre chambre, on appuie sur H pour se lever. Donc le point de spawn dans les appartements est aléatoire, mais en général, voilà, vous avez toujours à chaque extrémité du couloir les escaliers pour pouvoir descendre vers la pièce centrale. On se connecte à la console, on choisit son vaisseau et on appuie sur Retrieve pour qu'il soit placé automatiquement sur un landing pad. On prend bien note du landing pad et on s'y rend en suivant les panneaux. On monte dans notre vaisseau et ensuite, en maintenant la touche F, on va chercher le bouton Flight Ready. L'appareil est prêt à décoller, les boucliers sont encore en train de charger. Mais on va pouvoir commencer la manœuvre en appuyant sur espace. Après le décollage, je vais légèrement m'écarter de la station pour remonter mon train d'atterrissage en appuyant sur N. Appuyant sur U, je vais pouvoir cycler un peu les vaisseaux alliés qui sont dans la zone. Donc là, vous voyez un Andromeda, un Mustang Alpha. Prochaine étape, ça va être d'ouvrir la map avec F2, de sélectionner notre destination. Donc là, on ira sur Yela et on va cliquer sur Glimex,
et 7 routes. Un marqueur de direction est venu s'afficher sur le radar au milieu de l'écran, donc j'ai plus qu'à aligner le vaisseau sur la destination, le laisser charger et maintenir la touche B. Première étape du saut est terminée, je vais aligner maintenant le vaisseau sur la station Glimex et recommencer. On va s'approcher doucement de la station en faisant attention aux astéroïdes. Une fois que je suis assez proche, je vais descendre le train d'atterrissage, ça va me permettre en fait de conserver une vitesse assez faible. Et en appuyant sur F11, je vais faire une demande d'atterrissage. De nouveau, le jeu vous assignera un landing pad, donc vous n'avez plus qu'à vous y rendre. Là, je me déplace, comme je vous le disais, avec le train sorti. Ça permet d'éviter les catastrophes. Je viens me placer juste à la verticale de la zone verte. Je vais rentrer à l'intérieur. Et je vais rester appuyé sur N pour déclencher l'atterrissage automatique. On n'oublie pas avec le bouton F d'aller mettre le vaisseau sur Power Off et on appuie sur H pour sortir. Ce sera tout pour aujourd'hui, alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous donne rendez-vous pourquoi pas dans une prochaine où je vous présenterai un moyen rapide de faire pas mal d'argent sur Star Citizen. Bye bye.